Ça va? Ouais, bien. C'est cool, hein? Ouais. Vas-y, descends. Ouais, sous la plage, qu'est-ce qu'on trouve? Des obus. Là, juste là. Juste là. Tu vas l'accrocher à l'arbre, histoire qu'on le perde pas. On va te rapprocher le bout du câble. La passe. Ok. Alors, allez, attends. Que... On va enlever les lingues avant de la coincer. C'est très gentil, voilà, c'est fait. Alors, vous allez bien faire relax. Okay. Bonjour. Vous salue. Bonjour. Je vous ai déjà fait. Ouais. Pleine de graisse. Hein. C'est pas grave. Ouais. Prends la pince. Enfin, attends, il faut ça. Bonjour. Vous n'étiez pas là il y a 15 ans, je l'ai. Ah voilà, merci. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, chez vous. On vieillit, hein? On vieillit comme vous dites. Eh, il y a 2 mm, c'est bon. C'est ça, pense, hein? Voilà. Quoi? Avec 2 mm. Oui, ben ils ont la perceuse, si voilà. La problématique, c'est parce que c'est pas la solution. Après, comme ça touche pas la paroi, c'est bon, voilà. Ça touche pas la paroi, il y a du monde en dessous, là. Ça fait tomber des sous sur les mecs, attends. Ouais, faut faire attention, ils voient des pierres passer, là, les amis. Faut pas vraiment toucher la paroi. Alors, là, je suis à ras de la paroi, donc faut arrêter de bouger parce qu'ils sont juste en dessous, ça risque de faire tomber des trucs sur eux. Pour t'écarter, il faudrait qu'on aille où? Pour m'écarter de la paroi, c'est soit vous me ramenez du côté des gueuses, soit c'est tout, il faudrait me ramener du côté des gueuses. Quand on sort, on est bien. Remarque, il n'y a pas d'élasticité dans ce lac. Une radio. Ah, Motorola. Motorola. Non, je sais pas, c'est du Élan. Oui, Élan. Voilà, je sais pas, si tu trouves une radio, ce sera la bonne. C'est les radios, c'est les radios personnelles à Pierre-Yves en plus. Cet après-midi, on va descendre uniquement pour déjà répertorier les modèles d'obus, les calibres, les modèles, on va les photographier, les mesurer, et puis après on va mettre de côté quelques modèles qu'on va remonter probablement demain avant de partir. C'est facile à monter de... Bon, on va prendre que les petits calibres, on a conçu exprès, on a un cylindre exprès pour les mettre dedans, pour les remonter. Ah bon, mais vous aviez déjà remonté les objets. Il y en a eu de remontées, mais il y a longtemps, je crois en 73, ils avaient fait des essais. Mais... Moi, je suis jamais descendu. Alors, ça occupe l'après-midi, non? Ah oui, l'après-midi, puis demain matin. Ça. De toute façon, tous les obus, vous avez, avec le vieillissement, vous avez un exudat qui peut se produire. Parce que dans la chute, je vais voir cet après-midi, mais il y a des gaines qui ont pu être fragilisées. Déjà, à l'époque, il y a des obus qui se sont cassés. Donc, c'est sûr, quand ça a été jeté, l'explosif est parti dans l'eau à l'époque. Mais là, maintenant, on a des écoulements... Et puis les analyses qui ont déjà été réalisées par la DAC. D'ailleurs, toutes les analyses, enfin à ma connaissance, les analyses d'eau qui ont été faites n'ont rien à révéler. Ouais, d'accord. Au niveau explosif.
passe. Oui, tout à fait, c'est pas. Mais c'est pas grave, là ce qu'on va faire, ça remonte facile sur 80 mètres. On a emmerdé les 30 derniers mètres. Oui. Donc il se met là-bas. On fait comme tout à l'heure, mais il se met plein vide. Ah, il descend. Hey, traction. Stop le trail. Voilà. Ah là, je peux aller là. Ouais. Là, je demande. Comment tu fais à droite, ah, mais il faut installer. Moi, je vais mettre à droite, je vais à droite. Non, ça va. Après, quand on fait la descente, ça ira pas. Hein. Allez, c'est parti. C'est reparti pour un tour. Voilà l'arrivée de ce magnifique descente de Breuil. Encore 8 mètres. Oui, c'est à peu près ce qu'on a évalué en surface. Mais c'est bien. Je fais de la buée. Non, non, mais c'est pas grave. Donc, on va refaire le protocole comme on l'a dit, à savoir on va prélever l'eau en bas, après on prélève l'eau en amont. On retourne en bas à prélever les sédiments, on reprélève les sédiments en amont, et puis après on part sur tous les paramètres débit, conductivité, oxygène, et j'en passe. Ça, on peut le refaire ce sonore-là ? On peut le refaire avec le Donc là nous sommes sur les prélèvements aval, nous sommes au pied du tas devant le siphon et l'objet donc c'est de remplir les 3 kg donc, de ces sédiments. Après donc nous passerons au prélèvement amont, l'objet étant de voir si l'ensemble du tas diffuse en termes de pollution une série de picrates ou autres éléments. Donc on voit très bien le siphon. Donc le siphon plongé en 82 par notre équipe, donc surtout pas aller là-bas dans l'axe, justement pas la suite. En fait la suite du siphon se situe sur la partie droite. Et on voit bien en période d'étiage que toute l'eau descend dans ce secteur-là. On voit encore donc, l'ensemble des ficelles qu'on a posées en 82.
arrivées d'eau, donc on peut estimer quelques centaines de litres. Alors là, nous sommes sur le petit rive droite, à l'aval du talus. Et c'est par là qu'en fait arrive l'eau en période de grosse crue. Donc elle traverse toute cette petite série de petits calibres. Et pour finir en fait dans cette série d'interstices. Donc on voit qu'il y a une mise en charge complète là derrière, dans ce compartiment. Je pense que l'ensemble du talus, l'ensemble de l'Ibouli là, est largement responsable donc de l'obliteration de la galerie. Et en fait, l'ensemble des eaux diffusent au travers de ce magnifique interstrat. On va essayer de voir si on peut. Allez là. On est au ras du rocher, c'est complètement impénétrable. Encore des eaux buffantes là, cassées. Donc là nous sommes quasiment au sommet de l'Ibouli. On a cette voiture qui est là. Toujours ces obus. Donc la vue de l'amont vers l'aval, on voit cet ébouli un peu asymétrique et qui plonge vers le siphon à droite, donc tous les arrivées latérales d'eau qui viennent donc du côté plutôt sud. Et puis donc toute cette galerie comme forcée avec des départs assez jolis. Ok. Ça va te coûter une bouteille. Hein. Je rigole. Là, celle-là voilà, celle-là, elle était longue. Je sais pas combien de temps on a mis. On a mis de quelle heure? 2 heures. Il y a 2 heures. Ah oui, ben, tu m'étonnes. C'est parti quelle heure en hein, Pâche. Bah, ah ouais, mais il y a l'équivalent d'une personne en plus. Ah ouais, là, ouais. Non, mais là, il y a tous les. Il y a mieux que qu'on a cher. On a tout, les fèves. On a tout. C'est tellement lourd qu'on a même pas réussi à avoir. Ouais, ben faut s'arranger avec la plaine. Faut récupérer les images, je pense que. Ah oui. Parce que ça sert à rien. Hein, non bah, il me semble. Qu'ils reviennent. Non, mais il faut se caler avec eux, les images, elles sont au fond. Tiens, Daniel. C'est pas le retour. Tu sais qui fait la descente, là. C'est pas le retour. Bon, je vais emmener ça directement à la bagnole. Là, impeccable. Donc cette fois-ci, vous avez mis un dispositif particulier en place. Pourquoi ? Alors nous voulions d'une part faire une descente en toute sécurité, c'est pour ça que nous avons fait réaliser une plateforme, et d'autre part, nous voulions réaliser un prélèvement de munitions afin d'analyser d'une part l'explosif et en plus de noter avec certitude les différents modèles et calibres qui se trouvent dans le gouffre. Oui, parce qu'en fait, ce que vous allez remonter, c'est très lourd. Oui, mais nous allons remonter que les petits calibres pour faire les analyses explosives. Par contre, dans le fond, nous allons répertorier tous les modèles présents, accessibles, évidemment. Vous avez vu des photos, en fait, quelle taille, qu'est-ce qu'on voit, ça se présente? Écoutez, les obus sont connus depuis 1973. Il y a calibre, il y a 75, 90, 120, 155, 240. Attends, parce que pour nous, profanes, comme je viens de dire, donc en fait, c'est grand, lourd. Oui, les plus gros, on va à peu près de 7 kg à une centaine de kilos.
ça fait un échantillonnage assez important. Alors vous qui avez une maîtrise de ce sujet, est-ce que c'est assez exceptionnel de voir autant d'obus à un seul endroit? Oui, c'est assez exceptionnel quand même. Généralement, on a des dépôts quand même de moindre importance ou avec une plus grande variété de munitions. Mais là, c'est quand même un cas particulier puisque c'est un dépôt qui a été vidé dans le gouffre. C'est un dépôt d'artillerie français. Et est-ce que ce dépôt peut avoir un danger en fait ou pas? Alors au niveau risque, déjà il n'y a pas de risque d'explosion puisqu'ils sont au fond, ils sont dans l'eau, il y a une température assez fraîche, donc il n'y a pas de formation de picrate, pas de risque d'explosion. Au niveau pollution, c'est relativement faible aussi parce que le chargement, c'est principalement de la mélinite, hein, de l'acide picrique qui est utilisé en médecine, on s'en servait pour soigner les brûlures, donc il n'y a pas de risque potentiel pour l'instant. Bon, à terme, quand on aura dégradation totale des enveloppes des obus, bon, dans plusieurs siècles, c'est sûr que là, il faudra examiner la situation. On est tranquille quand même pour plusieurs siècles, hein, qu'il y ait une dispersion de l'explosif dans l'eau. Et avec les prélèvements que vous allez faire, en fait, à quoi vont servir les analyses des armes que vous allez remonter? En analysant l'explosif, on aura avec certitude la composition du chargement. Parce qu'en fait, le chargement est principalement à base de mélinite, mais on a aussi des flegmatisants qui servent d'une part à réduire la sensibilité et d'autre part à faciliter le chargement des obus. Donc là, on aura d'une part l'explosif plus les produits flegmatisants qui sont avec. Donc on aura une meilleure vision à long terme de ce qui pourrait se retrouver dans l'eau. Est-ce que c'est envisageable, à votre avis, de sortir toutes ces munitions ou pas? Alors là, c'est toujours la question piège. Donc c'est sûr que pour les mettre dans le gouffre, il a fallu, paraît-il, une semaine. Mais pour les remonter, il faudra plusieurs années. D'une part, parce que c'est assez compliqué au niveau accès. Et d'autre part, il faut en bas, la plupart des obus sont enfouis dans des sédiments. Il faudra les extraire. Et comme ces obus sont quand même dangereux, ça implique de les détruire immédiatement. Donc on ne peut pas les sortir, les stocker. Il faut prévoir une opération où on les sort, on les transporte sur un terrain de destruction et on les détruit immédiatement. Ils sont dangereux dès qu'ils sont sortis de leur contexte? En fait, là, quand ils sont dans l'eau, ils sont bien. Mais dès qu'on les sort, on va avoir des exudats, formation de picrate et risque d'explosion. Donc c'est pour ça qu'on ne peut envisager l'extraction des obus que si on a une solution de destruction immédiate derrière.